destination découverte. Donc, il y a des chouettes partout sur la planète, sauf en Antarctique. Pourquoi? Parce qu'il fait trop froid. Oui, bien vu. L'Antarctique, c'est là où il fait quand même très froid. Mais les chouettes hulottes, oui, comme moi, ne sont qu'à certains endroits. Regarde, région où vivent les chouettes hulottes. Donc là, c'est la Terre. Et on voit en bleu où est-ce qu'elles vivent. Donc c'est pour ça que nous, on en a une qui est tout le temps autour de chez nous là et qui vient se poser ici. On voit bien ici, la France est là. Donc c'est pour ça, c'est normal qu'on en ait eu dans le jardin. Non, mais c'est là qui était là. Donc les chouettes, oui, les chouettes drôles d'oiseaux de nuit, avec leurs grands yeux, leurs immenses ailes et leur tête qui tourne sur elle-même, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle peut tourner la tête comme ça. Les chouettes ont de quoi nous impressionner. On s'envole aux côtés des reines de l'obscurité pour percer leurs secrets. Nos ailes sont à la fois larges et arrondies pour mieux nous faufiler entre les arbres. Et elles sont légères grâce à leurs nombreuses petites plumes souples, le duvet. Mais gare à la pluie. Si de l'eau pénètre sur les petites ailes toutes fines de duvet, plus voler. Elle alourdit les plumes et elle nous empêche de voler. Comment les différencier alors? Eh bien, les hiboux ont des touffes plus ou moins longues de petites plumes dressées sur la tête, ici là. Ça fait comme des cornes, là. Eh bien, ça c'est un hibou. C'est pour différencier la chouette, elle n'en a pas, et le hibou, il en a ici, comme des cornes. Elle a des aigrettes. Les chouettes, elles n'ont pas d'aigrettes. L'oiseau du sorcier Harry Potter est-elle une chouette? Il n'a pas d'aigrettes, donc oui. Raté. Edwige est un hibou. Ses aigrettes sont si petites qu'on ne les voit pas. Et le ouhou comme ça, c'est pour dire... pour dire que je veux faire des bébés, marquer mon territoire ou dire à ma chérie que j'apporte à manger.